Bonjour à tous, on démarre. Bonjour. Je vais prendre trop de retard. Comme c'est écrit au-dessus de nous, on va vous poser aujourd'hui le MongoDB et l'Elastic. On s'est posé une question. Est-ce que ces deux outils sont les meilleurs ennemis? Vous pouvez raconter un peu ce que vous voulez sur Twitter avec le hashtag MongoElastic. Vous pouvez nous insulter si vous voulez, vous poser des questions si vous voulez. Là. On se présente rapidement. Moi, je suis Sébastien Prunier, je suis développeur chez Serly. Et moi, ma partie, c'est plutôt MongoDB. Voilà, c'est une techno que j'aime bien. Donc, Chris m'a décrit comme Mongo Addict. Donc, je m'appelle Chris Coudreau, je suis moi aussi développeur chez Serly. Je m'intéresse à toutes les problématiques liées aux données, quoi. Et notamment à Elasticsearch. Et voilà, ma partie, c'est un peu plus Elasticsearch. On va vous présenter Serly. Donc, c'est une société de service qui a une offre assez large et qui a la particularité de proposer un certain nombre de participer à beaucoup de projets communautaires et open source, et on consacre à peu près 10% de notre temps à ça, donc c'est quand même pas mal. Et on participe à un certain nombre de conférences et à des projets d'assez grande envergure. On est aussi membre du JCB, ce qui nous permet de participer à des projets Java, c'est impliqué dans la communauté Java. Alors, petit sondage, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui fait du MongoDB aujourd'hui en prod? Ok. Qui fait du Elasticsearch? Pas du Elastic. Ok. Il y en a qui font les deux? Okay. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Pulp Fiction, le film? Ils n'ont jamais vu. Bon, ça va. Ouais. On va s'en sortir. En vous. Il y en a qui ont menti, on vous expliquera quelques trucs après. Très rapidement sur MongoDB. Alors, le but, c'est pas de vous faire une presse technique, rentrer très très techniquement dans les outils. MongoDB, donc base de données, NoSQL orienté document, créé en 2007 par la société Tengen dans le cadre de la construction d'une offre de type plateforme as a service. Et en fait, ils ont en 2009 open sourcé la partie database de cette offre-là, et donc ça a créé MongoDB sous licence AGPL. Donc Elastic, c'est un moteur de recherche distribué créé en 2010 par Chevanon, qui est largement basé sur le moteur d'indexation du SED. C'est sous licence Apache, c'est open source. Et une des particularités, c'est que c'est aussi orienté document. On peut le voir comme une base orientée document. C'est pas une erreur de voir les choses comme ça. Alors avec Chris, dans nos différentes missions au quotidien, on travaille sur plusieurs typologies de projets dans lesquels on est amené à utiliser l'une ou l'autre des technos Mongo ou Elastic. Alors, on travaille beaucoup pour informatique de gestion, donc il y a pas mal de projets qui sont des applications satellites, un peu qui gravitent autour du système d'information et qui vont permettre de créer de la valeur, de valoriser les données, notamment sur des applis type Vision 360, c'est un terme bien à la mode. On peut avoir une vision agrégée d'une fiche client, par exemple. On travaille aussi sur des applications BI, notamment avec de l'open data. Évidemment, les moteurs de recherche sont généralement plus basés sur Elasticsearch parce que c'est fait pour, quoi. Mais là aussi, ce sont des types d'applications qu'on peut voir dans ces technologies-là. Il y a aussi pas mal de projets sur ce qui est back-end mobile et autour des objets connectés. L'écosystème autour des objets connectés, il y a pas mal de choses à base de Node.js. Donc on est sur une stack JavaScript, donc des bases de documents, qui stocke du JSON, voilà, ça se permet de... assez naturel. C'est assez naturel de choisir du Mongo, du Elastic dans ces cas-là. Pourquoi meilleurs ennemis? Parce que finalement, il y a un certain nombre de points communs entre les deux systèmes. Quoi. Orienté document JSON, comme on vient de le dire, on distribue, bon, ça va de soi. Schémaless, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de structure de données à déclarer, même si on peut le voir que, notamment dans Elastic, il y a du paramétrage à faire quand même pour gérer l'indexation et l'optimisation d'index. Et ça permet de faire de mettre en œuvre des index secondaires. Ce que j'entends par index secondaire, c'est obtenir des documents par autre chose que la clé primaire. Ça paraît un peu bête comme ça, mais les bases orientées clé-valeur, orientées colonne, généralement, c'est pas le cas. Donc là, on est sur des produits qui sont quand même à mi-chemin entre du clé-valeur et des choses beaucoup plus classiques. Ça permet de mettre en œuvre des agrégations. Donc, on
va en parler un petit peu plus tard pour vous expliquer plus précisément de quoi on parle, pour ceux qui ne connaissent pas évidemment. Et la recherche géographique, c'est aussi un point commun entre les deux, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Ce n'est pas vraiment un point qu'on va aborder, mais voilà, il nous permet de faire la recherche géographique. Donc la question qu'on se pose quand on bosse sur nos projets, c'est, il y a plein de trucs en commun, mais quelles différences il peut y avoir qui vont faire qu'on va plutôt choisir la tronçonneuse ou la batte de baseball, quoi. Donc, on peut se poser un certain nombre de questions qu'on va aborder sous forme de différents critères et qui vont nous permettre de se dire comment on choisit notre base, en gros Mongo ou Elastic. Alors, premier truc un peu naïf, on va regarder la popularité de chacune des bases. Pour ça, il y a un site de référence, dbengines.com. La crise, je pense que tu peux sortir par la porte dérobée. On remarque moi aussi finalement, parce que on prend Oracle, c'est ça. On prend Mongo, ça me semble pas mal. Comme vous pouvez le voir, la popularité, c'est pas forcément une bonne solution, quoi. Hein. Access arrive en 7e. Ouais, là, c'est bon. En gros, bon, si vous fiez juste à la popularité, vous exposez à des graves problèmes, ça risque de mal finir, donc voilà. Franchement, on fait dire ce qu'on veut, les critères sont plus ou moins subjectifs sur les choix. Ils précisent leurs critères sur des DevGen, ouais. Bon, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Bon. Plus sérieusement, un point qu'on aime bien, ça c'est vrai pour les deux, et nous on trouve ça assez important, c'est le côté développeur-friendly des deux technos. On a un projet, là, on se dit... Il y a quelques différences, quoi. Oui, c'est vrai qu'on va en parler. Un peu plus simple à démarrer. En gros, on télécharge, on unzip, on démarre, et puis on peut commencer à jouer avec. Donc ça c'est vraiment un côté cool. Ouais, c'est relativement commun de base. Alors on reviendra à d'autres contreparties. On part pas en prod une fois qu'on a fait le proto, on est d'accord, mais voilà. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir développer une application viable assez vite, avec des fonctionnalités, le fait de draguer, entre guillemets, les développeurs, ça permet de développer quand même relativement rapidement, mettre en place son environnement de développement assez simplement, quoi. Donc côté Elastic, c'est relativement simple, modifier le nom du cluster, donc ça vous n'êtes pas obligé, hein. Mais bon, si vous êtes une équipe de plus de 1, c'est généralement une bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'en gros, les nœuds savent qu'ils appartiennent au même cluster par le nom de cluster et s'ils se trouvent sur le réseau. Donc, naturellement, voilà. Et si vous voulez démarrer un cluster avec deux nœuds, c'est deux fois la ligne de commande et puis c'est parti. Sachant que là, on a deux nœuds. Pour développer un nœud, ça suffit, il n'y a pas de problème. Sur Mongo, c'est encore beaucoup plus simple. C'est plus simple. Ça se fait grosso modo de la même manière. On démarre autant de démons qu'on va avoir de nœuds. Et un peu de conf à faire à la main pour démarrer des cassettes, ajouter les nœuds à des cassettes. Ça prend 5 minutes. C'est super important de faire ça dès le dev pour comprendre comment marchent les systèmes de réplication. Comme ça, on peut utiliser un nœud, voir comment se passe la réélection du nœud master, etc. C'est bien de faire ça parce que c'est écrit dans la doc, certes, c'est bien de le voir en vrai. Ouvrir un peu le capot, ça commence par installer un cluster. Pour les développeurs Java, il y a un petit bonus, je dirais. On peut démarrer un nœud programmatiquement relativement simplement. Voilà, ça permet de démarrer un nœud Elasticsearch, notamment pour vos tests unitaires, même pour les gens qui développent des applis avec un back-end type JavaScript un peu riche. Vous pouvez, pour les développeurs front-end, en dev, débarrer automatiquement le nœud au démarrage de l'application et puis c'est réglé. On cause un peu d'indexation pour entrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc côté Elasticsearch, l'indexation globalement c'est basé sur un index inversé. On va préciser un petit peu de quoi il s'agit. Il y a un truc à mettre en place, c'est le mapping, même s'il y en a un par défaut qui marche relativement bien dans certains cas. Un autre élément, c'est que la disponibilité des documents du point de vue de la recherche est en quasi temps réel. On va y revenir. Donc, au niveau de l'index inversé, de quoi il s'agit, là on a deux attributs qu'on cherche à indexer dans l'index inversé. En gros, que va faire l'analyseur et la Elasticsearch ? Découper les chaînes de caractères en mots, supprimer les mots qui sont spécifiques au langage, minifier, enlever les accents, etc. Et stocker les mots qui sont
importants et qui permettent de trouver les documents relativement rapidement. Si vous souhaitez avoir une utilisation beaucoup plus NoSQL, généralement vous n'allez pas faire d'analyse pour conserver les exceptions telles, telles que vous les soumettez au système. Sur le near real time, au maximum, une seconde après avoir indexé un document, il est disponible dans la recherche. Donc, le truc, c'est que si vous faites un GET sur la clé primaire, vous allez récupérer votre document, ça n'y a pas de problème. Après, sur la recherche, vous allez, il va y avoir cette seconde de latence que vous pouvez tuner, mais vous aurez des problèmes de performance. Donc, l'idée, c'est quand même de la conserver. Est-ce que c'est vraiment un problème? Moi, j'ai tendance à dire non, quoi. Enfin, en gros, si vous faites de la lecture juste après l'écriture sur un index secondaire, c'est, enfin, j'aurais tendance à dire qu'il y a un problème de design, quoi. Donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que c'est pas une limitation. Après, si c'est une limitation dans votre cas d'usage, je dirais que c'est pas forcément le bon outil. Parce que si vous flushez à chaque insertion, vous perdez beaucoup d'optimisation et donc vous arrivez pour de bien. Alors, dans Mongo, c'est beaucoup. Enfin, on n'a pas ce notion d'index inversé. La notion d'index de MongoDB, ça se rapproche vraiment de ce qu'on trouve dans les bases de données relationnelles, c'est l'index de type B-tree. La donnée est disponible même s'il n'y a pas d'index dessus. Voilà. Donc en gros, hein, les index dans Mongo, c'est pour des raisons de performance, tout simplement. Comme ce qu'on fait dans du SGBDR classique. La mise à jour. Donc là, Elasticsearch pose dans certains cas un léger problème au niveau de la mise à jour. C'est-à-dire que la mise à jour, quand on met à jour un document, la mise à jour est totale. C'est-à-dire que si j'ai un document qui est assez dense, avec pas mal de texte, que j'en ai indexé en full texte et fait un certain nombre d'opérations dessus pour pouvoir le rechercher, et que j'ai envie de changer un booléen dedans, j'ai réindexé tout. Donc ça, c'est quand même un problème. Il n'y a pas d'API qui me permet de réindexer partiellement le document. Enfin, il y a des API qui proposent ça, mais finalement, il y a une réindexation totale. Donc, il y a des cas où c'est pas vraiment un problème pour vous, parce que les documents sont petits et ça pose pas vraiment de problème. Dans certains cas, ça peut poser de réels problèmes. Donc on verra qu'il y a des solutions, notamment au niveau des relations entre les documents, pour gérer ce genre de problème, mais c'est un des problèmes de perf qui peut nous embêter là-bas. Alors dans MongoDB, la mise à jour, il y aura beaucoup plus de souplesse. Soit on peut mettre à jour un document complètement, c'est du annulaire en place, soit on peut aller plus finement, renseigner, faire un peu la recette en fait, sur un attribut pour changer la valeur. Il y a des options quand même sur la mise à jour, c'est-à-dire qu'il y a multi qui est false par défaut, c'est-à-dire que par défaut il va mettre à jour que le premier document qui match la clé. Donc ça on sait tout savoir une fois au début, puis après on met multi à true. Il y a l'observe qui permet de créer le document s'il n'existait pas déjà. Justement, on va poser un peu relation dans les deux bases. Alors, petit disclaimer, si dans vos use cases, vous êtes systématiquement obligé de faire des jointures entre vos documents, il faut se poser deux questions. Soit vous les avez mal modélisés, vos documents, et dans ces cas-là, il faut peut-être revoir un peu, imbriquer un peu plus de choses. Soit c'est légitime, parce que voilà, vous les avez modélisés pour des bonnes raisons, mais dans ces cas-là, peut-être que vous avez choisi la mauvaise base. Donc ça, c'est vrai pour Mongo ou Elastic. Si vous avez besoin de relations, il y a des bases de données relationnelles, comme vos SQL, par exemple. Ou des forgings. Ou des bases orientées graphes. Ah, ça. Donc, il ne faut pas choisir ces technos parce qu'elles sont hype, forcément. Vous modélisez différemment. Alors, les relations dans MongoDB, comment on fait? Soit on se fait ça un peu à la mano, c'est-à-dire que dans un document, on peut référencer l'ID d'un autre document. Soit on utilise un objet un peu plus standard qui s'appelle un DBRef, qui va stocker l'ID du document qu'on référence, la collection dans laquelle se trouve ce document-là, éventuellement la base de données dans laquelle se trouve ce document-là. L'avantage de cet objet DBRF, c'est que c'est pris en compte par les drivers pour, certains drivers vont aller jouer les requêtes pour aller justement faire des fetches sur les DBRF. Pour autant, il va quand même faire du fetch, quoi. Donc il faut faire plusieurs requêtes, que ce soit l'ID à la main ou le DBRF. Alors, il y a eu MongoDB World il n'y a pas longtemps. Ils ont annoncé un nouvel opérateur qui s'appelle $lookup et qui va permettre, dans le mécanisme d'agrégation de MongoDB, d'aller faire un join, entre guillemets. Quoi. Voilà. Moi je dis wait and see, je suis un peu sceptique sur les perfs,
Bon, ils ont l'air de dire que non. Voilà. C'est pas encore sorti, là, c'est dans la version 3.2 de Mongo. Bon, ça mérite de jeter un coup d'œil. Au niveau des Elasticsearch, il y a une notion de relation parent-child qui existe. Donc c'est assez pratique pour gérer les cas d'update dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire où vous pouvez updater le child sur votre parent. Il y a des cas où ça peut régler ce problème-là. Quoi qu'il arrive, ça permet de mettre en place des relations entre les documents. Évidemment, il y a un impact sur les perfs. Il y a d'autres impacts, notamment le fait que les parents et les enfants doivent être sur le même charge. On verra un petit peu tout à l'heure ce dont je suis en train de parler. Et il y a un certain nombre de contraintes techniques, notamment chargement en mémoire. Mais c'est une solution qui permet de mettre en place des relations entre les documents. Alors, concernant la recherche full text. Ben, ça se corse de côté Mongo. Donc là, je vais pas tarder à partir en courant. Bon, alors en fait, on a bossé sur un petit projet. On a animé un workshop avec Chris il n'y a pas très longtemps. On a pris des données open de la région Pays de Loire sur les installations sportives. Et puis au départ, je charge ça dans un MongoDB pour commencer le workshop. Et puis il y avait plein de fonctionnalités, des trucs classiques, une Google Maps, machin, de la géo, etc. Puis à un moment donné, on s'est dit que c'est bien d'avoir une search bar quand même. J'ai mis en place la recherche full text, enfin de ce que propose MongoDB. Ça marche dans pas mal de cas, une fois qu'on a compris comment bien configurer les langages, etc. Ça se base sur une ligne qui s'appelle Snowball en dessous, voilà, qui fait des tables d'analyse, de streaming, ouais, qui est un peu connu côté du site. Donc ça marche. Bon, par contre, c'est pas très configurable. Quand Chris a mis Elastic, bah, par exemple, ouais, s'il cherche un peu football, que je sais pas trop écrire football, j'oublie le deuxième O et le deuxième L, bon, bah, clairement, mon goal là, il s'en sort pas. Elastic, ça lui pose aucun problème. Ouais, en fait, c'est une configuration assez simple à mettre en œuvre. Là, pour le coup, c'est un analyseur francophone. Ni plus ni moins, il n'y a pas vraiment de choses en plus, il permet aussi de gérer les ES en fin de mot et tout un tas de choses. Enfin, c'est plutôt, en toute façon, la recherche full text dans MongoDB, c'était introduit dans la version 2.4 pour une simple et bonne raison, moi c'est mon avis, c'est qu'ils ont vu Elasticsearch, il y avait le search encore dans le nom, arriver, être de plus en plus populaire, ils se sont dit il faut comprendre un truc, quoi, parce que sinon ça ne va pas le faire. Voilà. Bon, si votre use case principal c'est de la recherche full text, hyper avancée, enfin voilà, Mongo ça va. Si vous avez du Mongo pour plein d'autres bonnes raisons, donc toutes les autres raisons sauf la recherche finalement, vous pouvez le mettre en place, ça vous rajoute voilà, un peu de fonctionnalité. Bon, à suivre ce qu'ils vont faire là-dessus, je suis pas sûr que ça soit. C'est pas l'avenir, quoi, voilà, avec Serge, plein de métiers. Donc ça ressemble un peu à ça, la recherche. Voilà, la recherche peut-être dans Mongo, c'est sympa au début, mais bon, on n'est pas à l'abri d'avoir un accident là. Une bosse. Bon, les agrégations. Qu'est-ce que c'est qu'une agrégation? Ça vous permet de faire ce genre de choses? Je pense que la plupart. Enfin, qui sait ce que c'est qu'une agrégation, s'il vous plaît? Ok. Je vais passer vite, mais en gros, deux cas d'usage assez simples. D'un côté, je crois que ça vient de booking.com. Vous faites une recherche, vous voulez savoir dans les résultats de votre recherche la répartition de vos résultats. Voilà, c'est une solution. À droite, un dashboard. Donc là, c'est un petit peu plus élaboré, mais ça vient de Kibana 4. Mais évidemment, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec des agrégations de n'importe quelle technique, pas avec Kibana. Mais voilà. Pour le coup, c'est des fonctionnalités qui sont offertes par les deux. Par les deux technologies et qui. Sur des mécanismes techniques qui sont assez proches l'un de l'autre, ouais. On ne va pas passer temps. En gros, MongoDB, il y a quoi? Il y a un pipeline. Donc, en gros, on part d'une collection de documents, ça rentre dans un pipeline dans lequel on définit un certain nombre d'opérateurs, par exemple des matchs pour faire des filtres, du unwind pour aller déstructurer un peu des documents ou des tableaux, du groupe, bon, voilà, vraiment là pour faire les vraies agrégations, sur un tas de critères avec des opérateurs d'accumulation, faire des sommes, des moyennes, des mines, des max, de regroupement par année, par voilà. On peut faire vraiment ce qu'on veut, c'est super souple, c'est super élégant. Dans Elastic, Chris, je te laisse dire, mais voilà. Ouais, on est sur en gros, un système de buckets et de métriques. Bucket qui permet de regrouper les documents, et métriques qui permet de faire des calculs. Et donc là, c'est un exemple aussi qui permet de prendre des documents, les diviser par année, enfin les répartir par année, les répartir par arme, et enfin de calculer le budget moyen des films suivant les armes. Donc, mais on est sensiblement sur les mêmes choses. Exactement. On y reviendra parce que quand même, la différence sur l'agrégation, c'est pas sur la mécanique technique, ouais, sur l'écosystème qui peut y avoir. Stockage de fichiers. Bon, là, franchement, vous avez besoin de stocker des fichiers. Ouais, c'est nickel. L'un ou l'autre, ça marchera aussi bien. Enfin, c'est vraiment fait pour. Non, sérieusement. dans MongoDB, il y a un truc qui s'appelle JDFS. Bon,
Clairement, ça fait quoi? Mon modèle, ça stocke les documents en BISON, du binary JSON. Ça a une limite de 16 mégas. Donc, du coup, pour, wow. pour éviter ce problème lié à la limite de la taille du document BISON, bah, en fait, ils ont mis en place GDFS qui permet de faire des chunks sur les fichiers, de stocker ces chunks dans une collection, d'avoir une autre collection pour avoir les métadatas du fichier pour les reconstituer les chunks, etc. Bon, le problème c'est que ce truc-là, ça fait côté driver, donc ça monte tout en RAM, c'est pas super performant, il n'y a pas de streaming, etc. Enfin, de base, c'était pas ça. Il y a des gens qui ont fait des drivers un peu plus évolués pour faire un peu de streaming, etc. Mais bon, clairement, MongoDB pour stocker du document, c'est pas top. En plus, on n'a pas de lien direct vers le fichier. C'est-à-dire que par exemple, si vous stockez une photo, bah, pour voir la photo, il faut aller choper les chunks, il faut le faire en RAM, aller reconstituer pour pouvoir la visualiser. Bah, c'est, en fait, si on parle de ça dans cette conf, c'est que c'est un truc qu'on voit souvent. Ouais, oui, je vais le dire juste après. Mais... Ok. non, c'est ça. Tout à fait. Donc, dans Elasticsearch, il y a le attachment type qui permet de mapper des fichiers. Donc, comment ça marche? Un tableau de bytes, on connaît en bas 64. Donc, c'est un peu le même design, je dirais. Et qui, bon, évidemment, pas de stream. Bon, le petit plus, c'est qu'il y a quand même un Pashtika. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'Apashtika, mais c'est une librairie qui permet d'analyser des fichiers de type bureautique et d'en extraire des données. Donc, qui permet d'indexer vos attachments et donc de les rechercher. Enfin, mais on a exactement le même problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien direct vers le fichier. Il y a une limite à 2 Go pour le coup, une limite UCL, mais. Ça reste un peu le même problème, quoi. Enfin, c'est pas fait pour ça. Donc, GDFS ou attachment type pour du stockage de fichiers, bon, bah, en gros, à un moment donné, vous aurez des problèmes à régler, ça va devenir un peu compliqué, quoi. Bon, pour stocker des fichiers, il y a des solutions qui sont faites pour ça. HDFS, par exemple, ou bah, si vous êtes sur Amazon, il y a Amazon S3 qui est quand même super bien fait pour ça. Moi, j'ai juste un petit retour d'expérience là-dessus sur des gens qui avaient fait un backend mobile avec Node.js et MongoDB, déployé sur des instances C2 d'Amazon, et les images stockées dans GDFS. Donc, c'est un peu ballot parce que c'était déjà sur Amazon. Ça ne coûtait pas grand-chose d'utiliser S3. Un mot sur le mode distribué. Donc, les notions qu'on retrouve dans les deux systèmes, parce que finalement, de ce point de vue-là, ils sont assez proches. D'un côté, il y a une notion d'application. L'application, c'est une copie des données. Bon, ça permet d'assurer une meilleure disponibilité et une meilleure durabilité. Le sharding, c'est la répartition d'un ensemble de données sur plusieurs machines. C'est-à-dire quand vous allez requêter votre système, vous allez interroger plusieurs machines pour pouvoir avoir la réponse de votre requête. Ça permet de distribuer et donc de gagner sur la scalabilité horizontale. La notion de master, on la retrouve dans les deux aussi. Le master node, c'est un nœud qui a des capacités spéciales, enfin, des missions assez spéciales vis-à-vis du cluster. Ouais, c'est pas mal mission. Et donc l'idée, c'est que c'est pas non plus un SPOF dans le sens où si vous perdez le master, il y a un nouveau master qui est élu. Bon. Pour éviter les problèmes de split bind, donc split bind c'est le cluster qui est divisé en deux parties, et donc là il se passe des problèmes à la mesure où chaque partie pense que c'est un cluster autonome, vous avez besoin d'un quorum de nœuds, c'est-à-dire une majorité absolue, pour pouvoir continuer à fonctionner. Donc de ce point de vue-là, si on part du cap théorème, dans les deux cas, les deux systèmes vont plutôt pêcher sur la disponibilité plutôt que sur la cohérence en termes de partitionnement, excusez-moi. Enfin, en cas de partitionnement, parce que finalement, le cap, ça nous intéresse dans ce cas-là. C'est ça, sur la configuration par défaut, c'est ça. Ouais. Le sharding. Ouais. Comme disait Chris, la répartition des données sur plusieurs shards. Dans MongoDB, c'est quelque chose qui est très configurable. Alors, il y a des gens qui vont dire que c'est gênant à faire. Pour l'avoir fait avec toi une fois, on a notre petit cassette. Bon, il faut monter des nœuds de configuration qui vont connaître la topologie du cluster, qui vont permettre d'interagir avec d'autres process qui s'appellent les routeurs, qui sont du côté des applis, qui vont permettre d'aller lancer les requêtes sur les bons shards, etc. Bon,
Il faut être un peu du coin. Ouais, mais du coup, cette complexité de mise en œuvre apporte beaucoup de souplesse. On a plusieurs politiques de sharding, soit des trucs hash-based, soit range-based, soit tag-aware aussi. On a des trucs un peu tag-aware, ce qui fait que sur des data centers répartis géographiquement, on peut faire vraiment des trucs assez intéressants et assez adaptés à la topologie de notre infra finalement. Côté Elasticsearch, c'est sharded by design. Si vous démarrez un cluster Elasticsearch tel qu'on l'a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire download, unzip, run, vous aurez vos index sont par défaut répartis sur 5 shards. Alors la particularité des shards dans Elasticsearch, c'est que le nombre de shards est immuable. Beaucoup de choses sont configurables, notamment à chaud, ça c'est assez pratique, mais le nombre de shards est immuable. Ce qui fait que ça va être un point qui peut être bloquant à terme au niveau de l'évolution de votre cluster. La bonne solution pour régler ce genre de problème, c'est d'éviter d'avoir des index qui grossissent, et donc de répartir vos index sur des approches fonctionnelles. Quoi. Sachant que votre nombre max de nœuds, c'est le nombre de nœuds par shard multiplié par le nombre de réplique. Donc vous pouvez aussi augmenter votre nombre total de shards en ajoutant des répliques. Et donc dans ce cas-là, gagner sur la distributivité. Un petit mot sur Jepsen. Ouais. Ça a été déjà abordé dans d'autres confs, notamment sur Kafka tout à l'heure. Ouais. C'est une personne qui s'appelle Kyle Kingsbury, ça buzz pas mal en ce moment. En gros, il a développé Jepsen, qui est un outil de test générique pour plein de systèmes distribués. Donc il s'est attaqué à Elastic et à Mongo forcément, mais à Cassandra, à React, à Kafka, etc. L'idée de ce truc-là, c'est de provoquer des pannes réseau et de voir ce qui se passe au niveau des systèmes distribués en cas de partitionnement. Donc franchement, c'est de la bonne lecture. Après, ça fait polémique sur plein de points. Ce qui est bien, c'est que ça ouvre le capot, ça va vraiment voir en profondeur comment fonctionnent les bases de données distribuées. D'un point de vue documentaire, du coup, moi je trouve ça assez génial. Côté Elastic, ce qu'on révélé certains tests, c'est des problèmes de durabilité. J'aurais tendance à dire que ce sont des problèmes qui sont assez à la marge, sur des cas assez particuliers. Et que pour éviter ce genre de problème, il y a un certain nombre de règles de mise en production à mettre en œuvre qui permettent quand même de limiter largement à 4, sachant qu'Elastic c'est utilisé en production dans énormément de gros sites très connus, qu'il y a aussi des gens qui l'utilisent comme source primaire de données, donc il n'y a pas de gros problèmes. Après, ils prennent ça très au sérieux dans le sens où ils corrigent les problèmes au fur et à mesure, ils exposent les problèmes, c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Le blog, la réaction est plutôt correcte. Ça fait un peu du fact-checking, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il dit dans la doc, le gars, il vérifie par lui-même. Il ouvre Du coup, ça amène quoi? Soit des compléments documentaires pour préciser un peu plus le fonctionnement des bases dans les cas limites, soit des bugs fixes. Notamment sur Mongo, plus récemment, il y a des choses en termes de problèmes de cohérence. Alors sur la version 2 de Mongo, donc il y a la 3 qui arrive avec des changements fondamentaux sur le Storage Engine, qui résolvent une partie des problèmes. Donc pour résumer, une bonne lecture. Quoi. Bon, niveau perf, on n'est pas dit qu'on fait des séries de perf. Non. Parce que moi je voulais pas voir trop ce truc. Ouais, donc effectivement, là il n'y a pas photo, il y a Elasticsearch qui est beaucoup plus performant que MongoDB, selon Quarks Labs blog. Donc on ne sait pas trop dans quelles conditions ça a été testé, mais... C'est ton blog en fait, ça. Ouais, c'est un ami. Mais là-dessus, je ne sais pas si vous voyez les courbes, ça parle de... Les courbes parlent d'elles-mêmes. Ouais, d'accord. Moi j'ai le même genre de blog en fait. C'est une université en plus. Ouais, travail universitaire, sérieux. Une conf production ready, Mongo, il n'y a pas photo. Quoi. Clairement, c'est largement plus performant, notamment sur tout ce qui est insert. On peut vous filer les liens, c'est des vrais trucs. On a un peu crawlé sur Internet. Bon, concrètement, les benchmarks, c'est un peu comme le ranking au début, ça craint. Enfin, il ne faut pas lire ça au premier degré. La plupart du temps, moi, je peux faire mon benchmark Mongo Elastic. Vu que je ne sais pas configurer Elastic, je suis pas sûr de avoir les meilleures perfs. Et inversement pour Chris. On parle de deux technos qui sont quand même très performantes, très tunables. Et puis, donc, le mieux, c'est de faire vos propres benchmarks en fonction de votre besoin et de votre trafic, surtout. Parce que des fois, c'est un peu un concours
voilà. Du coup, moi j'ai 1,5 million de requêtes à la seconde, moi 2 millions, et en fait votre trafic c'est 6 000. Donc c'est, au final, on s'en fout un peu. Quoi. Donc faites votre propre benchmark, c'est intéressant. Ouais, c'est important de tester les technos, mais. Je passe un petit mot sur le passage en prod quand même, parce que c'est un peu le but final de la chose. Ouais, c'était tentant à ce moment-là. Quoi. Donc bon, on a bien vu, ça permet de séduire les développeurs. C'est, honnêtement, c'est vrai que c'est pas mal grave. Hein. Je pense que découvrir de la techno, ça se fait rapidement, quelle que soit la techno d'ailleurs. Après, sur. Bon, il y a quelques petits trucs à changer, je dirais, pour oui. passer en prod. Il bah, y en a qui ont suivi la petite histoire sur MongoDB, c'est passé sécure, machin. Parce qu'en gros, ils se sont rendus compte que la majorité des gens avaient ouvert sur Internet le port 27.0.17. Enfin, c'est pour Elastic, on pourrait faire le même genre de bêtises, mais bon. Voilà. Donc, évidemment, il faut configurer et sécuriser. Mais en plus, les systèmes sont quand même vivants, ils sont quand même complexes. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas les laisser vivre comme ça, et pas les monitorer, et pas faire en sorte que de savoir ce qui se passe, et de tester ce qui se passe quand il y a des problèmes. Parce qu'une mise en prod, que ce soit sur MongoDB ou sur Elasticsearch, vous avez rajouté une nouvelle fonctionnalité avec des requêtes, machin, ça peut avoir des répercussions sur les perfs, qui peuvent parfois se régler par la configuration, mais aussi parfois parce que vous avez rajouté des fonctionnalités, et donc du trafic se régler par l'ajout de l'eau, ce genre de choses. Et clairement, la production, c'est une autre histoire que le dev, sur les deux systèmes, d'ailleurs. Je pense qu'on ne peut pas nier. Bon, on va s'intéresser à l'écosystème, donc les utilisateurs de Mongo. Ouais, l'écosystème. Bon. Donc, en termes d'écosystème, sur les drivers, il y a des drivers Mongo dans plein de langages. Bon, vraiment, vous fassiez des trucs un peu bizarres. Globalement, vous allez trouver le driver dans votre langage. Le tooling, depuis la V3 de Mongo, est fait en Go. Ça c'est plutôt une bonne chose, tout ce qui est Mongo Export, Mongo Import, etc., tout ce qui est dump, voilà, le tooling est fait en Go, donc on peut compléter l'écosystème avec ce langage-là. Mongo Hacker, l'extension du shell pour avoir un truc tout con, mais la coloration syntaxique, ce genre de choses. Il y a beaucoup d'interfaces graphiques, elles ne sont pas toutes forcément top. Il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont gratuites, mais qui sont à la bourre sur les versions, genre Robo Mongo qui est toujours en 2.4, donc voilà. Donc bon, ils annoncent compatibilité V3 bientôt, mais bon. Bon, le shell c'est bien, en gros, pour résumer. Pour tout ce qui est justement monitoring et automatisation, il y a des outils, c'est des off-cloud. Pour tout ce qui est monitoring et management, c'est MMS ou Ops Manager pour la version Enterprise. Ça permet de regarder ce qui se passe un peu sur le cluster, et puis aussi automatiser l'ajout de nœuds, les montées de version aussi, ça c'est un truc intéressant, c'est-à-dire montée de version à chaud, on peut passer à chaud de Mongo 2 à Mongo 3 si on veut. On peut le faire avec les situations. Ah bon ? Ouais. voilà, donc c'est pareil, ça, c'est quand vous faites un proto, vous déployez votre proto sur Heroku, sur Amazon, ce que vous voulez, vous pouvez tester gratuitement ce genre d'outils. Côté Elastic, bon, il y a une petite plus-value sur Java qui propose un client natif qui s'appuie sur protocole binaire. Protocole binaire qui est utilisé par Elastic pour communiquer entre les nœuds. Il y a aussi une API REST, donc l'avantage de REST c'est qu'on peut faire un peu tout n'importe quoi en termes de clients. Là, ça me semble compliqué de trouver un langage pour lequel il n'y a pas de driver, enfin hein, de client. Un langage qui n'a pas de client HTTP. Ouais. Parce que driver, c'est un peu. SQL, ça s'appelle comme ça, bon. Bref. Si on peut faire un reproche à PIRS, ce qui est quand même bien pratique, c'est les réponses sont parfois un peu denses et pénibles à passer. Quoi. Mais sinon, il n'y a pas de. Enfin, c'est plutôt pas mal de ce point de vue-là. Côté écosystème, je pense que il n'y a pas photo, quoi. C'est quand même. Enfin, Elasticsearch est vraiment très riche, quoi, en termes d'applicatifs tiers. Je sais pas si y a des gens parmi vous qui ont déjà utilisé Kibana, mais c'est vraiment ce qu'on veut en termes de database. Quoi. Enfin, je pense que c'est simple à utiliser, ça permet de mettre en place des choses très simplement, relativement facilement, sans programmation. Enfin, je veux dire là, c'est plutôt simple. Et pas que. Enfin, souvent le problème c'est que Kibana, on l'associe culturellement à Logstash pour l'analyse de log. Bon, technique ou un petit peu plus métier, mais on peut vraiment utiliser tel quel pour faire tout et n'importe quoi, enfin pour faire des vraies analyses métiers qui proposent des vraies plus-values sémantiques. Pour la petite histoire sur Kibana, quand on le workshop dont on parlait tout à l'heure sur la recherche full texte,
On avait aussi une partie dashboard, et moi j'étais content, je faisais un peu de React.js, j'ai couvert la techno, je me suis dit, allez, on va faire un peu de D3, on va faire super dashboard, donc deux jours pour avoir un camembert et puis 3-4 trucs, voilà. Et puis bah, Chris il arrive en 5 minutes avec Kibana, il fait un truc iso-fonctionnel, et puis même avec plein d'autres trucs en plus, hein. Donc là, voilà, je pense que c'est, ouais, c'est la démo qui tue, quoi, clairement. Donc il y a Logstash qui a été intégré à Elasticsearch, qui est un ETL qui permet notamment les fameux exemples d'analyse de l'homme, mais ça fait beaucoup plus que lire dans un fichier texte et écrire des trucs dans Elasticsearch. Enfin, ça permet d'écrire des trucs dans bien d'autres endroits que dans Elasticsearch, ça permet de lire des trucs dans bien d'autres endroits que dans un fichier ou dans Elasticsearch. On peut citer aussi Shield qui permet de mettre en œuvre la sécurité, qui est pas mal parce que c'est un plugin payant. Au même titre que Marvel, qui permet déjà la supervision. Mais c'était un reproche qu'on faisait souvent. Enfin, mais je pense que c'est pareil de côté Mongo. Quoi. Les gens, on a l'impression qu'ils veulent exposer Elasticsearch sur Internet, et puis on fait des requêtes avec Angular, et puis c'est parti. Quoi. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Il faut vraiment voir une base de données à protéger. Après, la protection, ça peut être assez simple, surtout si les requêtes se font en REST, un Nginx ou autre, c'est largement suffisant. Pareil, on parle de minimum viable product tout à l'heure, donc si vous voulez faire le proto sur votre laptop, c'est bien, mais le déployer pour le montrer au patron, c'est pas mal non plus. Donc là, il y a des offres cloud, il y a tout ce qu'il faut, aussi bien côté Mongo que côté Elastic. Bon, très bien, on a fait un peu le tour d'horizon des points communs, les différences. Du coup, comment on peut faire un choix? Alors nous, avec Chris, on a un slide génial. C'est un petit algorithme. C'est notre algorithme de décision. Quand on rencontre des directeurs informatiques, en général, on est pour la journée, on arrive avec ça le matin et en quelques heures, on a décidé. On s'est réunis, c'est fini, ouais. Voilà, c'est réglé. Et on choisit Postgre. plus sérieusement, pour résumer un petit peu la comparaison des deux produits, MongoDB, clairement, si vos use case, si dans vos use case, il y a beaucoup d'updates, ou delete, ce genre de choses, Mongo va être beaucoup plus faible pour ça. Voilà, ça, c'est, à mon avis, la grosse différence entre les deux et là. Dans le cas où vos documents sont un gros, le cas dont je parlais tout à l'heure. Chris parlait de near real time tout à l'heure. Si dans votre use case, encore une fois, ça pose un problème, allez peut-être sur des solutions type Mongo, si c'est ou autre. Elastic en termes de fonctionnalité, c'est beaucoup plus fourni. En termes d'écosystème aussi. Sachant que le message, c'est pas non plus qu'il n'y a pas de fonctionnalité dans le MongoDB. Mais c'est vrai qu'il y en a un peu plus. Donc finalement, la tronçonneuse ou la batte, pourquoi pas prendre les deux finalement, prendre un sabre qui va être à la fois la tronçonneuse et à la fois la batte. Pourquoi ça? C'est qu'on va pouvoir bénéficier des avantages des deux, dans ce qu'on a décrit, en minimisant les inconvénients à la fois de Mongo d'un côté et des Elastic de l'autre. Un autre point fort, c'est qu'on est sur le même paradigme, en fait, sur des bases NoSQL orientées documents et qui stockent les documents au format JSON. Donc la plupart du temps, on va pouvoir s'en remodéliser, aller stocker les mêmes documents à la fois dans Mongo et à la fois dans Elastic. Ouais, les principes de modélisation qui sont vrais dans Elasticsearch sont vrais dans Mongo d'une manière générale. Et donc du coup, en termes d'architecture, comment ça peut se décliner? Donc l'idée c'est quoi? C'est de décrire et de lire dans MongoDB pour les nécessités temps réel et de lire dans Elasticsearch pour bénéficier des fonctionnalités. Donc le cas typique c'est le backend qui s'appuie sur MongoDB qui permet de mettre à jour les données et le frontend qui permet de exploiter les données, faire de la recherche, faire de l'agrégation, tout ce que peut nous apporter Elasticsearch, faire de la suggestion et faire ce genre de choses. Bon, la grande question là-dessus, c'est très bien, on a deux data stores, dont un qui est plutôt la référence, en l'occurrence MongoDB. c'est toi qui l'as dit. Et du coup, comment on fait pour synchroniser les deux? Alors, il y a plusieurs patterns possibles. Je te laisse parler de la River. La Mongo River, vous trouverez beaucoup de documents, de documentation là-dessus sur Internet. Il y a un petit problème, c'est que c'est déprécié depuis la 1.5. Donc, c'est pas. C'est une bonne idée de prendre autre chose si vous avez besoin de faire ce genre de choses. Après, si vous voulez rester en 1.4, c'est votre.
Enfin, vous pouvez. Donc, l'Evergreen, d'une manière générale, c'est vrai pour vous aider aussi. L'idée, c'est quoi? C'est d'installer un composant dans Elasticsearch, forme de plugin, qui permet de poller les données dans MongoDB, en l'occurrence dans l'OPLog. L'OPLog, c'est une collection particulière qui stocke les opérations qui ont été réalisées dans la base en termes d'insertion, mise à jour, etc. Donc, le fait que ça soit un composant qui est installé côté Elasticsearch, c'est probablement la principale raison pour laquelle ils l'ont déprécié. Pourquoi? Parce que ça va avoir des impacts sur les performances. Et que si on parle d'un composant tiers. Donc, généralement, bon, clairement, c'est pas une bonne idée de concevoir votre système comme ça. Donc, du coup, si on part sur le remplaçant, c'est River qui est Logstash, si je ne m'abuse. Non, Logstash, malheureusement, donc, ça dépend de votre cas d'usage, hein, mais le problème, c'est que bon, déjà, il n'y a pas d'input MongoDB. Enfin, il y a un truc maison. Il y a un input MongoDB. Mais ça ne gère pas la mise à jour, enfin, c'est by design de Logstash en fait. Ouais, c'est plutôt la suppression qui pose. Oui, c'est plus la suppression. En gros, c'est fait pour transférer de la data d'un endroit à un autre, pas pour aller en supprimer et avoir des règles de gestion un peu plus compliquées. Donc, pour ce cas-là, Logstash, ça ne portera pas grand-chose de mieux. Bon, il y a une solution un peu plus brutale qui consiste à écrire dans les deux data stores en même temps, quoi. Ça marche, pas de problème là-dessus. Le problème, c'est que vous déportez beaucoup de choses du côté de votre client. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si déjà votre client, le temps de réponse de votre client s'adapte au plus long des deux. Donc ça peut poser des problèmes, surtout en vertu des benchmarks qu'on a vu tout à l'heure. Et donc ça pose un problème. En plus, l'idée de l'architecture, c'est clairement d'écrire côté Mongo, notamment pour les problèmes d'update. Si vos documents rentrent dans ce genre de cas, ça ne va pas être une bonne solution non plus, quoi. Donc, ça ne marchera pas. Enfin, un peu. Techniquement, ça ne marchera, mais ce n'est pas une bonne solution. Le fait maison, c'est bien aussi. C'est une solution qui paraît un petit peu plus acceptable, dans le sens où l'idée, c'est que vous créez un batch, enfin un job, vous-même, qui lit d'un côté et écrit de l'autre. Ça permet de mettre en place des choses assez simplement, ça ne demande pas non plus un code complètement ahurissant, sachant que vous pouvez baser vos requêtes de MongoDB plutôt que sur le payload, donc un peu technique et pas forcément simple à lire sur des ID métiers, et des timestamps ou ce genre de choses. Et vous pouvez écrire dans Elasticsearch, et c'est pas une. Enfin, ça reste une solution qui est acceptable et qui est plutôt simple à mettre en œuvre. À faire dans le cas précédent aussi d'ailleurs. Si jamais on perd la data dans les. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, non, mais si vous avez pour l'exploitation besoin, j'ai pas pu m'empêcher. Ce système-là est bien, mais si vous avez besoin à un moment donné pour l'exploitation d'aller relancer une resynchro en mode batch, il y a de fortes chances que vous fassiez aussi ce genre de choses. Ouais, encore une fois, c'est assez simple. Bon, une solution qui est probablement la bonne voie, je dirais. C'est de mettre en place un principe de queue, quoi. Enfin, c'est-à-dire, côté MongoDB, vous écrivez, vous pouvez récupérer vos données en Mongo et utiliser une message queue. Enfin, là, l'exemple avec une message queue, vous pouvez utiliser n'importe quoi qui vous permet de streamer pour écrire vos données dans la queue persistante. On a cité Habitat Queue et Kafka. Il y a des tonnes de produits qui permettent de faire ce genre de choses, qui permettent de ne pas perdre de données. Et l'avantage que ça a, c'est que vous poussez dans Elastic plutôt que de tirer de Elastic les données de Mongo. Donc ça reste une solution qui est assez sympa et qui permet de gérer les problèmes de dev dont on a parlé, et certains problématiques qui vous amènent à utiliser MongoDB. Message, pour retenir de ça quand même, c'est que finalement il faut utiliser le bon outil pour le bon usage. Voilà. Là on a fait un comparatif un peu Mongo élastique, mais il n'y a pas que ça. Enfin, si vous avez par exemple pour gérer des relations entre vos clients, à des bases graphes, ça peut être une bonne chose. Si vous avez besoin d'avoir des transactions, peut-être plutôt un SGBDR, ou si vraiment on a besoin de relations, pareil, un SGBDR. Donc ça, c'est vraiment le message à faire passer. Il ne faut pas avoir peur de faire des architectures hétérogènes avec chaque outil vraiment qui fait le meilleur de ce qu'il sait faire dans son domaine. Absolument. Voilà. Donc,
Merci pour votre...